Les enfants qui étaient retenus dans les champs regagnent le chemin de l'école et qui permettent donc aux parents, donc aux ménages, d'employer la main-d'œuvre adulte. Le problème, c'est qu'il aura des impacts terribles sur la vie d'abord des enfants. En mettant en danger ces personnes poils des enfants, en l'empêchant d'aller à l'école, c'est fondamental que aussi dans le secteur agricole, particulièrement coutumier, que nous assurons les aspects environnementaux, sauvegarde sociale environnementale, pour permettre effectivement que les cotons qui vont être transformés pour l'industrie textile et les autres soient clean. Le travail des enfants, c'est ça la problématique qu'il faut éradiquer. Au Burkina Faso, il y a d'abord la question de la pauvreté, parce que pour produire le coton, il faut beaucoup de moyens, soit pour les intrants, soit pour le matériel même agricole. Et l'autre difficulté, c'est aussi la saison donc, hivernale, puisque nous dépendons totalement, pour ce qui est de cette production, de la pluviométrie, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas contrôlable. Alors, il arrive que les ménages investissent beaucoup donc, dans les champs dans la production du coton, et qu'à la fin, eh bien, il n'y a pas de résultat. Et il y a aussi la difficulté de la main-d'œuvre. C'est un travail assez pénible, un travail assez difficile. Il faut suffisamment de main-d'œuvre. Le projet Clear Coton s'est résolument ancré dans la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Faire de la question de la lutte contre le travail des enfants et permettre que les acteurs puissent développer eux-mêmes des mécanismes internes de suivi peut être considéré comme un résultat important pour le projet Clear Coton. Ani foro baara kana ne ka den bali ka taa ekɔli la.